que j'ai eu le plaisir d'être nommé à la tête de l'Orchestre de Cannes, j'ai tout de suite eu le désir de travailler avec Philippe Bianconi, immense pianiste niçois, et nous avons enfin réussi à trouver le moment dans nos agendas respectifs pour cette première rencontre. Un programme placé sous le signe de la lumière, avec la lumière d'une Grèce antique rêvée, le concerto chorégraphique Aubade de Poulenc, compositeur cannois par excellence, il composait beaucoup à l'Hôtel Majestique, la lumière légèrement nostalgique du 21e concerto pour piano de Mozart, qui me touche énormément, qui touche beaucoup de monde aussi, puisque en fait c'est un concerto qui est très connu, qui a été utilisé pour des génériques de télévision, de radio, et la lumière de la musique du 18e siècle, l'hommage de Ravel à Couperin, une pièce d'une délicatesse folle et qui met vraiment en valeur l'ensemble d'un orchestre qui est typiquement français.